casarina.fr. Casarima.fr est là pour votre production, distribution, management, filmage, réalisation de vos clips, concerts, séminaires, baptême, croisades, mariage, un service de professionnels présent uniquement pour vous satisfaire. Casarima est là aussi pour l'autoring de vos DVD, services traiteur compris, photos, plus location de salles, enregistrement de vos émissions. Tout cela se passe sur casarima.fr. Casarima, en tout cas, moi, j'aime. Bonjour et bienvenue encore une fois de plus sur votre site chrétien préféré, www.casarima.fr. Moi, je suis Lise Manzambi, votre servante. Je suis très ravie de vous savoir encore et toujours très nombreux à nous suivre. Eh bien, vous aurez aussi cette occasion de nous suivre à Kinshasa. Vous pouvez nous suivre aussi sur Congo Number One, vraiment, en Angola, en tout cas, partout où vous nous suivez. Nous vous en remercions. Aujourd'hui, je reçois pour vous une artiste avec beaucoup de talent, vraiment. C'est vrai, pour beaucoup de sa génération, vous allez la reconnaître, pas simplement par la voix, parce qu'avant, on ne l'entendait pas tellement chanter, on la voyait plus danser, mais aujourd'hui, elle fait sa carrière solo. Mais elle ne danse pas seulement, mais elle chante aussi. Elle a fait partie du groupe Les Archanges. Aujourd'hui, la sœur Victoire fait sa carrière solo. Eh bien, je suis très ravie de la recevoir pour vous ici sur Casarima Live. Je la reçois pour vous. Bonjour Victoire. Bonjour sœur Lise. Alors, aujourd'hui, carrière solo. Oui. Alors, pour tous ceux qui t'ont connue dans le groupe Les Archanges, tu étais une toute petite... Tu avais quel âge? J'avais 4 ans, 2 ans 4 ans, 3 ans par là. Tu as grandi sous les projecteurs. Oui. On t'a vu grandir tout doucement et aujourd'hui, tu as quel âge? 8 ans? Non, 16. Tu as 16 ans quand même, ça fait pas mal. Et aujourd'hui, donc, tu fais ta carrière solo et tu, comme je dis là, tu danses plus. Maintenant, tu chantes. Je danse encore, mais je chante maintenant. Voilà. Est-ce que tu peux nous prouver si c'est vraiment toi qui chantes ou... Pourquoi pas? D'accord. Bon, bah, on va l'écouter en live. Vous savez, c'est votre émission Casarima Live, du live toujours. Et puis on se retrouve juste après. Merci. Exalte l'Éternel. Exactly.
Nous sommes de retour sur votre plateau de Kazarema Live. Là, on vient de suivre la sœur Victoire. Et ben là, on sent que la danse, il n'y a pas tellement de danse. Hein. Là, déjà, c'est quoi le titre de la chanson que tu viens de chanter? J'ai chanté Exalté l'Éternel. Mm-hmm. C'était un chant des archanges. Et j'ai chanté une chanson à moi qui s'intitule Sans toi. Mm-hmm. Et j'ai enchaîné ça avec Et dans mon cœur. Voilà. Alors aujourd'hui, on ne danse plus? Encore un peu. Encore un peu? Oui. En tout cas, c'est très bien, c'est très bien. Mais là, tu n'étais pas seule, tu étais accompagnée. C'est ton groupe ou c'est juste des jeunes filles qui t'accompagnent comme ça? Des jeunes filles qui m'accompagnent. D'accord. Donc là, tu n'as pas de groupe. C'est non. Sœur Victoire avec oui. Des jeunes sœurs qui t'accompagnent. Oui. Ok, d'accord. Ben voilà. Là, vous venez de suivre Exalter l'Éternel, un cantique qu'on a déjà entendu et j'ose croire que vous avez eu le plaisir de réécouter encore cette chanson. C'est vrai que dans Les Archanges, c'est pas toi qui avais interprété la chanson. Non. Mais en tout cas, aujourd'hui, toi, tu l'as merveilleusement bien interprétée. Merci beaucoup. L'album de la sœur, Victoire. Et comme par hasard, ça s'appelle Ma Victoire. Et pourquoi Ma Victoire? Premièrement, j'ai une chanson qui s'intitule Ma Victoire à l'intérieur. Mmh. Et puis de deux, Ma Victoire en Jésus. C'est Dieu m'a donné un don, maintenant c'est plutôt une action de grâce que je fais. Voilà. Avant c'était l'action de grâce par la danse. Voilà. Aujourd'hui par le chant. Voilà. Alors c'est vrai qu'on peut pas parler de toi sans parler de ton groupe Les Archanges. Enfin c'était ton groupe puisque maintenant tu es toute seule. Qu'est-ce que ça te fait aujourd'hui d'entamer cette carrière solo toute seule? Beaucoup de choses, parce que je suis passée quand même de 10 filles à moi toute seule. Mmh. C'est vrai que c'est un chiffre qui descend beaucoup. Il y a un écart quand même de 9 personnes. Mais bon, je prends du plaisir. J'ai pris du plaisir à faire l'album et je prends toujours du plaisir à chanter tout le temps. Alors on peut dire que dans le groupe, c'était toi vraiment qui aimais la musique? Ça, je sais pas, mais j'aime beaucoup la musique. Parce que la Bible nous dit, vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Tout à fait. Eh ben, sans plus tarder, on va écouter encore une deuxième chanson avec la sœur Victoire. Et puis, on se retrouve juste après. Sans toi, ma vie serait gâchée. Sans paix, sans joie, sans aucun but. Accepte-moi, reconnaissance, Seigneur Jésus. Sans toi, ma vie serait gâchée. Sans paix, sans joie, sans aucun but. Accepte-moi, reconnaissance, Seigneur Jésus. Comment te remercier pour ce que tu as fait? Je ne peux m'exprimer avec des mots si imparfaits. Apprends-moi à t'aimer comme toi tu m'as aimé. Ce que tu m'as donné, je ne l'aurais jamais espéré. Sans toi ma vie serait
que Jésus, j'ai beau chercher partout, lui seul ne m'a jamais déçu, personne ne m'a prouvé autant d'amour pour moi, lui seul me l'a démontré. Sans paix, sans joie, sans aucun.
vient encore d'écouter la sœur Victoire. Alors, je ne sais pas ce que ça vous fait, mais moi, en tout cas, ça me donne des frissons. Parce que j'ai eu l'habitude de la voir en train de danser, mais on ne s'attendait pas du tout qu'elle avait cette voix. Alors, moi, ce que je me demande aujourd'hui, c'est que tout ce temps de silence où le groupe avait disparu, toi, tu as été te cacher comme l'aigle pour travailler, justement. C'est ça ou pas? Tout à fait, oui. Alors, derrière toi, il y avait qui? On dit que derrière un grand homme, il y a une grande dame. Alors, derrière toi, il y a qui? Une grande maman, je pense. Oui, une grande maman. Il y a aussi... un grand manager. Un grand manager, un grand directeur artistique, un grand chef d'orchestre. Et voilà. Ok, d'accord, vraiment, ça c'est bien. Et je te vois, tu as quand même la grâce d'avoir des personnes qui ont accompagné tes sœurs, les archanges, qui sont encore avec toi. Oui. Pourquoi? Pourquoi tu les as gardés? C'est pas question de garder, c'est... ils ont leurs dons et puis ils voulaient pas arrêter là parce que les archanges c'est terminé, ils voulaient continuer avec moi, donc ils sont venus aussi apporter leur soutien pour moi. Eh ben, ça c'est bien. Alors aujourd'hui, il y a une jeune fille qui te suit, par exemple, je sais pas moi, au Canada, et ça fait... Mais ça fait combien de temps en fait que t'as disparu? 3 ans, 4 ans. Voilà. Alors une personne à qui tu as manqué et qui te revoit aujourd'hui, là, elle est en train de trembler parce qu'elle te voit en train de chanter. Qu'est-ce que tu veux lui dire? Merci de m'avoir soutenue depuis le début, depuis les archanges et jusqu'à maintenant. Et puis, voilà, une petite parole de bénédiction, pourquoi pas. Et qu'est-ce que tu leur réserves pour, dans cet album, Ma Victoire? Un message Jésus c'est la résolution de tout problème, que c'est pas parce que on est jeune, c'est pas parce que les archanges c'est terminé que moi aussi je me suis arrêtée, je suis encore là et puis que voilà, c'est en fait dans plusieurs chansons, en fait, il y a un message par chanson, en fait. Mm-hmm. L'album, comme je dis, il est... Il y a combien de titres? Divers. Il y en a 8. Et dedans, il y a quoi? Rumba Pas encore. Pas encore. Alors, on reste sur quoi? Zouk, reggae, adoration et sébène. En tout cas. Alors là, tout de suite, qu'est-ce que tu peux nous proposer pour qu'on t'écoute encore? Une de mes chansons. Ok, bah on va l'écouter et puis on va se retrouver juste après. Merci. Maya, mon identité, je suis enfant de Dieu. Please.
sur votre site casarema.fr, votre émission Casarema Live. En tout cas, vous nous suivez dans les quatre coins du monde. Merci encore. Ne zappez surtout pas. Vous avez aimé Victoire. Aujourd'hui, elle est de retour sur votre plateau, non pas seulement sur le plateau de Casarema, mais aussi dans les bacs. Alors moi, j'aimerais savoir, cet album, Ma Victoire, c'est déjà sorti ou bien ça sort quand ? Il est déjà sorti. Il est déjà sorti, d'accord. Dommage qu'on n'ait pas le CD sur nous ici, hein ? Mais comme la sœur vient de nous dire que c'est déjà sorti, c'est que vous pouvez, dès à présent, cette semaine, commander vos CD, on va vous donner, les contacts sont là, vous pouvez téléphoner pour avoir éventuellement cet album. Alors, cette chanson qu'on vient d'écouter, le titre ? Ma Victoire. Ma Victoire, ok. Victoire, Ma Victoire, qui a composé la chanson ? C'est le frère Paul Balenza. Ah bon ? Oui. Et cette approche avec le frère Paul, comment ça s'est fait ? Bah, c'est un très grand ami à ma tante. Mmh. Et mon papa était parti à Kinshasa là-bas. Mmh. Et ils se sont rencontrés. Et pendant son séjour qu'il est resté, bah, papa est rentré avec les chansons qu'il avait composées pour moi. Mmh. Et puis j'ai demandé à mon chef d'orchestre de, d'arranger tout ça. Et puis ça s'est fait comme ça. D'accord. Et donc, dans cet album, on a le frère Paul qui a composé pour toi. Il n'y a que lui ou il y a d'autres personnes aussi ? Il y a ma mère. Ah, parce que ta mère, elle compose aussi. Oui. Ah, c'est bien. C'est l'auteur-compositeur de Exalté l'Éternel. Non, c'est pas vrai. Ah, si. Ah, bah, dis donc. Bah, en fait, elle se met toujours en arrière-plan. Toujours. Ah, bah, dis donc. Bah, si vous ne saviez pas qui était l'auteur-compositeur, bah, je vois pourquoi tu vas nous chanter cette chanson quand même. Va nous rechanter cette chanson parce que c'est vrai, on ne cesse jamais d'aimer cette chanson. C'est une très belle chanson en tout cas. Félicitations à la maman. Comment elle s'appelle déjà ? Maman Marie-Paul. Ok, donc c'était elle qui encadrait le groupe Les Archanges. Oui. D'accord. Alors je ne sais pas, on n'a peut-être pas l'occasion de lui poser cette question, mais tu en auras l'occasion pour, de lui demander c'est venu comment cette inspiration de cette chanson. Tu étais là ? Non, j'étais pas là. Bon, t'étais bébé déjà. J'étais même pas encore née. Ah, t'étais pas encore née. Non. En tout cas, bon, bah, le jour où on aura l'occasion de la voir sur notre plateau, on lui posera la question. Mais en tout cas, bah, chapeau, c'est une très belle chanson. Eh bien, on va écouter encore une chanson. Là, c'est la quantième chanson, la quatrième chanson. Oui. On va t'écouter parce que c'est vrai que cette émission, c'est plus du live. On veut vous faire découvrir l'artiste ainsi que le talent que possède l'artiste, parce qu'on vous parle toujours, oui, il y a des gens, on les fait passer là, oui, artiste, artiste, talent, talent, mais la voix, voilà. Là, vous avez entendu la sœur, votre petite sœur, votre fille, votre grande sœur, pourquoi pas, aujourd'hui elle est là pour vous, et vous avez entendu sa voix. Vraiment une voix sublime, moi je ne m'y attendais pas, mais je vois que vraiment la petite, elle a des poumons quand même, hein. Voilà, et on va écouter encore cette chanson avec son groupe d'accompagnement et puis on se retrouve juste après. Merci. Jusqu'au bout, jusqu'au bout.
Avec la sœur Victoire. Donc vraiment, comme on dit, petit poisson deviendra grand. Qui pouvait savoir il y a encore 4-5 ans que cette fille avait beaucoup d'avenir. Peut-être que le groupe Les Archanges s'était
pour faire paraître cette sœur aujourd'hui. Nous, on est vraiment ravis de la recevoir et je sais que tous les jeunes, alors là, j'invite vraiment tous les parents, tous les enfants, embêtez vos parents à aller acheter cet album Ma Victoire parce que je sais que ça va vous faire plaisir. Vous avez entendu les chansons, vraiment, nous, on a été conquis et je sais que vous aussi. Courez dès à présent alors sur Casarema, vous pourrez avoir aussi cet album ainsi que partout dans le monde entier. Il y a les coordonnées, le numéro de téléphone qui s'affiche, vous pouvez téléphoner et vous aurez votre album. Je sais que dans les fêtes, ça va faire vraiment un tabac. Et dans l'album, il y a plein de sébènes aussi. Oui. Parce que j'ai vu les garçons qui t'accompagnent, ils sont un peu trop sébènes quand même. Hein, il y aura quoi comme chanson avec beaucoup de sébènes? Il y a la chanson Ma Victoire. Il y a une chanson qui s'intitule Sois glorifié. C'est un peu Kimboka. Et Kimboka puis, oui. D'accord. Kimboka, c'est quoi? Un peu les chansons. Les chansons du pays. Du village, voilà. Quoi. Du village, ouais. Ok, d'accord. Alors, moi, je sais, on vient de te suivre en live, mais artiste n'est pas artiste sans a cappella. J'aimerais bien t'écouter là, en a cappella. Un petit truc, vite fait, en a cappella. Je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Ma forteresse, c'est toi, Jésus. Mon bouclier, c'est toi, Seigneur. En tout cas, merci, elle mérite des applaudissements quand même. Merci. Merci, merci, merci. En tout cas, eh ben, sachez que vous êtes pasteur, vous êtes chantre, vous avez envie de faire passer votre prédication, vous avez envie de faire une émission, vous êtes à Kinshasa, pourquoi pas, contactez-nous sur le numéro de téléphone qui est affiché au bas de votre écran. Appelez-nous et on vous dira que faire, quoi faire pour passer comme la sœur Victoire dans votre émission. Voilà. Alors, sœur Victoire, je ne sais pas, tu as été dans quelle école de chant là, pendant tout ce temps? Parce qu'on sait que l'aigle, quand il s'envole, quand il a une blessure, il va se ressourcer dans les montagnes pour prendre son temps, mais après il revient. Comme le dit souvent mon papa, prophète Samuel Panzu, hein, quand tu vois l'aigle, tu ne le vois plus, t'inquiète pas, il reviendra encore, il est juste parti se ressourcer. Alors toi aussi, comme l'aigle, aujourd'hui on peut l'appeler l'aigle, hein, je ne sais pas si vous me le permettez, parce que vraiment là, c'est l'exploit ce que tu nous fais là, en live, comme ça, moi je j'ai plus de souffle. Dans quelle école, où est-ce que tu as appris les cours de chant, ou bien c'est toujours ta maman qui t'a un peu coaché? J'ai une grande sœur à moi, qui s'appelle Sandrine. Salut à Sandrine, hein. C'est une grande choriste et puis je me suis beaucoup ressourcée chez elle et elle m'a beaucoup aidée et voilà, je la remercie beaucoup. Oui. Dis donc, il suffit de peu pour faire tout ça. Mais moi je pense peut-être que la voix était là, c'était à l'intérieur, mais il fallait qu'au bout d'un moment que ça ressorte. Voilà, hein, tout à fait. Donc là on sent que, pourquoi tu ne veux plus danser en fait? Je danse mais doucement. Pourquoi doucement? Pourquoi c'est interdit de danser pour Dieu? Non, mais... Tu sais que les gens t'aimaient beaucoup parce que tu dansais beaucoup. Mm-hmm. Tu dansais bien aussi. Oui. Un peu dans le désordre, mais t'étais dans la gamme. Voilà. Donc vraiment, à tous les enfants qui ont aimé Victoire, ne cessez jamais de l'aimer parce que voilà. Aujourd'hui, elle est revenue et elle nous surprend encore. Non seulement... elle sait danser, mais aussi elle sait chanter et elle chante très bien, même plus que beaucoup. Alors, je ne sais pas moi quoi dire, parce qu'à chaque fois vous dites non, sœur Lise, t'aimes trop jeter les fleurs sur les gens et tout ça, mais après vous êtes toujours confondus parce que j'ai toujours raison, presque. Mais voilà, alors quel conseil tu peux dire aux jeunes en tout cas qui traînent dans les rues plutôt que de chanter pour le Seigneur comme toi tu le fais si bien? La fin des temps est proche, répentez-vous. Sérieusement. Vraiment. Alors, est-ce qu'il nous reste une chanson là à écouter encore? Oui. C'est quoi le titre? Massia. Massia, ok. On va écouter ensemble avec le groupe Massia et puis on se retrouve juste après. Merci. Mmh.
Plus quoi dire, j'ai plus rien à dire. Hein, de toute façon, elle a tout dit. Là, vous avez vu l'artiste. Bah, je sais pas que dire encore. Vraiment, là, tu m'as vraiment épaté et je sais que tu as épaté aussi ceux qui nous suivent parce qu'on a essayé d'aller un peu à gauche. Tu étais là, à droite, tu étais là. Et là, bah, au front, bah, je sais pas qu'est-ce qu'il reste à faire parce qu'on dirait que t'es Messi. Mais voilà, je ne sais plus quoi dire moi, hein. Je ne sais plus quoi dire, c'était du live, vous l'avez vécu en live, donc que dire, que dire. Oh non, elle danse seulement, non, elle danse pas seulement, mais elle chante aussi. Et là, elle a fait ses exploits, en tout cas, bravo, bravo, bravo encore. Mais quand même, pour finir, est-ce que tu peux improviser quelque chose pour Casareva? Oui, je peux. D'accord, ensemble avec le groupe. Ok, bah, on va appeler le groupe encore une fois, comme ça, on va nous improviser un truc. Et là, vraiment, si là, vraiment, c'est bon, bah, ça sera 10 sur 10. Merci. Casarema, Casarema, ah, tu veux voir Jésus? Casarema, Olingi Oyoka Mateya, Yahweh Semola Lobo Kurawana Casarema. Casarema, ah, Casarema, ah, Casarema. Tu veux voir Jésus, bien sur quoi? Oh, Casarema, quoi est fait? Casarema, Casarema, oh, Casarema, Casarema. En tout cas, bon, là. J'ai plus rien à dire. Elle a vraiment fait tout ce qu'elle devait faire, tout ce que je lui ai demandé, elle l'a fait. Elle a chanté, elle a dansé, elle a improvisé. Que puis-je dire encore? Découvrez cet album, Ma Victoire, avec la sœur, votre fille, votre petite sœur, Victoire. En tout cas, si vous l'avez aimée dans Les Archanges, bah vous l'aimerez encore davantage dans Victoire. Qui fait sa carrière solo. Mais une question encore, Victoire. Est-ce que si aujourd'hui quelqu'un décide de t'inviter en Irlande, par exemple, est-ce que tu vas accepter? Je vais accepter et toute chose est à voir avec mon manager, qui n'est Big Manager. Mm-hmm. Alors, monsieur le Big Manager, il n'est pas un peu trop compliqué? Il ne va pas compliquer la personne ou bien il est un peu facile? Non, il est facile. Ok, d'accord. Bah écoutez, là vous venez d'écouter la sœur Victoire en live sur Casarema Live. Je sais que ça vous a fait vraiment beaucoup plaisir. Et ben à vos téléphones, appelez la sœur pour l'encourager, pour acheter l'album. Et vous aussi, si vous avez envie de l'inviter à chanter dans votre église, vous avez envie d'organiser un concert. T'es déjà prête pour un concert, je pense. Oui. Parce qu'après ce que tu viens de nous faire là, bon, ben, voilà. Elle est déjà prête, donc vraiment à vos téléphones. Alors. On est déjà arrivé à la fin parce qu'aujourd'hui, c'était vraiment que du live. C'est bon. Un petit conseil aux jeunes qui sont en train de te suivre en ce moment. Qu'est-ce que tu peux leur dire? Premièrement, merci à tous ceux qui me soutiennent, à tous ceux qui m'écoutent, qui m'écouteront aussi. Continuez à me soutenir dans la prière. Et voilà. En tout cas. Et ben ça, c'était la dernière, mais pas vraiment la dernière, parce que j'ai encore une question. J'aimerais savoir, alors, en tant qu'enfant ayant grandi sous les projecteurs, est-ce que ça a été facile, cette vie, où du jour au lendemain, tu es passé de la petite fille à maman à une star? Parce que, hein, je ne vous choque pas, star, ça veut dire étoile, et voilà, c'est normal, c'est une étoile. C'était comment pour toi? Est-ce que c'était difficile? Quand tu voyais, non. Vous avez fait des concerts, il y avait... Tous les enfants qui vous couraient derrière, c'était comment? Bon, après, il faut faire la part des choses aussi. Mmh. Donc, Et voilà. ça a été entre l'école et la musique? Oui. Mmh. Mmh. Et jusqu'à présent, ça va? Ça va. Ok. Bah voilà, c'était la sœur Victoire KM. KM, tu vas nous dire ce que ça veut dire ou pas? C'est mon nom de famille.
Ok, d'accord. Bah écoutez, vous la connaissez sur le prénom de Victoire, et bah restez sur Victoire et n'oubliez pas non plus Ma Victoire, qui est son album, qui est déjà disponible. Pour ma part, je dis merci à John Caninda parce qu'il a souffert. Ouh là là, vous avez vu les prises, vraiment. Et merci à la réalisation avec Blaise Manzambi, notre réalisateur. Merci à maman Marie-Paul, vraiment merci. Continue toujours à encadrer cette petite vraiment bien. Avec sa bise sonité, maman. Hein, vraiment, j'ai confiance. Et merci beaucoup. Merci à Papa Kenneth, votre manager, et ainsi que à tous ceux qui vous ont accompagné aujourd'hui, les frères, les sœurs. Vraiment, merci beaucoup à vous. Et moi, je vous dis merci à vous aussi d'avoir pris de votre temps pour suivre cette émission. Alors, un petit mot de remerciement, peut-être. Bah, merci à mon directeur artistique, Andy Bass Enko. À mon manager, Kenneth, à ma mère, mon mari Paul, à mon père, à LM Corporation, Lorenzo Matrac, à l'Assemblée Les Ambassadeurs pour Christ, Déborah, Lorraine, Linda, Elise, Naomi, Sephora, à Yashimel, à Maïs, et puis à tout le monde, au pasteur Théo, mon père spirituel. Donc voilà. Voilà, en tout cas, on aime bien, nous, quand les enfants sont bien encadrés, bien entourés. La maman est là, le papa est là. Vraiment, n'ayez crainte et vraiment confiance. Elle a bien commencé et je pense qu'elle ne finira pas mal non plus. Vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Eh bien, elle n'est pas encore à sa fin. Elle ne fait que commencer. Et j'ose croire qu'elle va vous faire encore davantage de plaisir. Eh bien, on ne cesse et on ne cessera d'écouter la sœur Victoire dans cet album Ma Victoire. Et je pense que les clips viendront très prochainement et elle passera ici, bien entendu, sur Casarima pour vous les montrer. Pour ma part, je vous dis merci et restez toujours branchés sur www.casarima.fr sans oublier le leader de Rotterdam, Guy Pablinto et Bishop Prosper. Casarima.fr est là pour votre production, distribution, management, filmage, réalisation de vos clips, concerts, séminaires, baptême, croisades, mariages, un service de professionnels présent uniquement pour vous satisfaire. Casarima est là aussi pour le touring de vos DVD, service traiteur compris, photos, plus location de salles, enregistrement de vos émissions. Tout cela se passe sur casarima.fr. Casarima, en tout cas, moi, j'aime.